Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Horizon Zero Dawn sur PlayStation 4 Pro. Donc je me rapproche des ruines, apparemment la zone est bien gardée donc les choses commencent à devenir dangereuses à partir d'ici je crois. Bon, je sais pas s'il y a moyen de contourner ou s'il faudra vraiment tous les tuer. En arrivant j'ai tué un veilleur corrompu mais il a eu le temps d'attirer l'attention des autres. On va essayer de passer plus ou moins discrètement. Tac, il y a surtout beaucoup d'humains, je crois. Enfin, je sais même pas si on peut passer discrètement, en fait. J'ai l'impression qu'on pourrait peut-être passer là pour contourner. On va essayer. Par contre, ça obligerait de passer par cette structure. Sachant qu'elle peut pas passer partout. Ouais, là, ça a l'air d'être fermé, non? Oh, les trous du... Ah, ils ont mis trois buissons pour empêcher de passer. Ah, madame, elle peut pas passer. Elle a juste à se mettre à quatre pattes et elle passe. Ah, donc là, c'est clairement une limite volontaire du... Ah non, ça passe. Je suis allé trop loin. Je vais faire demi-tour. D'accord. Foutage de gueule. Putain. Bon. Ico qui rage de mon intro qui sort de nulle part. Bah oui, mais c'est que je m'approche de la zone, donc... Je comptais la faire en arrivant, mais c'est déjà gardé ici. Là, ce qui est pas cool, c'est que voilà, je peux pas contourner, en fait. Parce qu'il y a trois preuves buissons et un mur invisible, donc ça passe pas. Putain, il y a un veilleur corrompu. Je sais pas si on peut le headshot avec ça. Parce qu'il doit avoir plus de vie, du coup, qu'un veilleur classique. D'accord. Ces sites de fouilles, ils sont immenses. Bonjour monsieur. Seriez-vous aveugle? Je suppose que oui. Hop, ça en fait un en moins. Hop, une petite potion au passage, nickel. Les antiquités, on trime sans aucun danger. Les raids rouges me manqueraient presque. Sans aucun danger. Are you sure about this? Oh putain, un veilleur. Ah, je redeviens invisible. Et je te headshot. Je peux les voir, mais pas eux. Bonjour. Avez-vous un problème, monsieur? Parce que là, je suis bien caché, je vous l'avoue. J'ai trouvé la cachette. La cachette ultime du turfu. Alors là, ce qui est chiant, c'est qu'il commence à s'agiter. Éventuellement... Ah merde, putain. Rallye. Qu'on regarde derrière les deux là. C'est A-shot vu que tu tires dans l'œil. Ouais. Pour qui a perdu avec Nunu. Étonnant. Bah t'es obligé d'aller au corps à corps. En 5v5 en Aram, STP. Bon, ils sont vraiment caca. Hein. Et, ah, du turfu. Ah, il y a 5 cadavres. Si je m'approchais de manière complètement oisive, dirons-nous, sans faire attention à ce que je fais... Ah. C'est encore pire que la botte de foin dans Assassin's Creed SVP. Bon, là j'y vais un peu en mode un peu plus brutal. Tant pis si je tombe nez à nez avec quelqu'un. On jouera les gros bras. Bon, si on peut essayer de rester quand même un peu discret. Et maintenant pour qu'il s'appuie Yasuo. Bah elle est cool Yasuo, non? Avec ses tornades. Après pareil, le problème c'est que la plupart des attaques se feront au corps à corps. Même si tu peux poke un peu. Tu seras bien obligé de foncer pour faire mal. À mon avis on va essayer de le tuer lui, il a l'air d'être relativement isolé. Ou même, je me tire. Ah merde, quelqu'un. Oh oh oh. Le problème, c'est que dès qu'il m'aperçoit, la terre entière sait où je suis. Il faut réveiller les démons pour que
Voilà, R1 ça marche pas parce que j'étais pas parfaitement aligné. Alors que je voulais faire une attaque en coin, là, tous les jeux du monde le font maintenant, mais là on peut pas. RT. Qui c'est qui marche là? Ah, il y a des veilleurs. D'accord. Bon, on va essayer de les A-shot. Mais la tenue de discrétion. Mais je n'ai pas la tenue de discrétion. J'ai pas pu l'acheter. Le seul truc que j'ai, c'est la tenue à distance, je crois, qui donne plus 6 en discrétion. Tu parles, c'est pas ce qui va changer grand-chose. J'ai pas la tenue de discrétion. Il me manque, je crois, c'est une peau de lapin pour l'acheter. Parce que plus 6 en discrétion, je pense que ça apporte rien du tout. Hein. Vu que ça monte au moins jusqu'à 100 ou 150. Après, ça fera peut-être quand même un peu de différence, mais bon. J'ai un peu la flemme de changer de tenue H24 en fait. C'est pour ça que j'ai essayé de choper des lapins avant de lancer l'épisode. Ce qu'il y a, c'est qu'eux ils sont là pour voir, donc on va rester comme ça accroupi. Voilà, ça passe plutôt bien. Parce que bon, les veilleurs corrompus c'est chiant, surtout que bah, ils créent des zones corrompues qui font des dégâts un peu comme du poison. Allez hop. Bon, jusqu'à présent, pour une fois, la discrétion marche relativement bien. Que pouvaient bien faire les anciens ici ? Ça, c'est pas encore fini, mais... Il y a un truc en face. Oh, punaise, un corrupteur. GG ! Un corrupteur corrompu ! My God ! Je pense qu'on va contourner par là-haut, alors. Il y a un humain... Non, parce que là, il y a trop de monde, là. Oh là là. Bon, allez, on tente. Ico qui veut vraiment que je me fasse MGS. Bah, je peux le faire en émulation, de toute façon. Hein, s'il est sur PS2. Ou même la version GameCube. Hein. Je peux l'émuler facilement, normalement. Après, c'est la version PS3, je pourrais pas la faire. Ça, c'est sûr. Alors, par la neige fondue. Ouais, ça peut être mouillé, madame. Moi, ce que j'aurais voulu surtout, c'est faire une petite sauvegarde. Tu peux chevaucher les humains si tu les attaches avec le lance-corde. Quoi? Bon, on essaiera, peut-être qu'on fera un camp en fin de live. Le corrupteur, un équipement très rare. Ouais, mais là, le problème, c'est... Oh là là, il y a trop de peuple. Hein. Ouais, et puis là, je vais me focus sur la mission. Donc, au retour, s'il est encore là. Sinon, tant pis. Parce que là, j'ai pas envie d'y passer 10 minutes. Ça va être relou. Il y a des humains, il y a des veilleurs. Elle peut passer là. Ouais. Ah, par contre, je m'écarte un peu du coup. Il faut vraiment que je retourne au nord. Bah, Ico, sachant que là, je suis sur 3 gros jeux. Il y a les DLC qui sortent que je veux faire. Je suis toujours sur Undertale. J'ai encore un Kingdom Hearts à faire. Donc, pas tout de suite. Hein. Là, le problème, c'est que je peux pas en tuer un, sinon l'autre va me voir. Est-ce qu'il me voit si je vais là? Non, il m'a pas vu. Après, si j'arrive à éliminer toutes les autres créatures, pourquoi pas. Ouais, non, il y en a trop. Putain, il faut que j'aille où? Ah, je suis vraiment en train de contourner. Oh là là. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas vraiment le choix, en fait. Faut vraiment que je passe limite par le camp, là. Si je passe par là, je sais pas si ça va. Mais j'ai peur de tomber sur un truc bugué en passant dans ce genre de décor, là.
Ça passe, d'accord. Oups, dans l'autre sens. Ah bah oui, mais dis-le moi avant de tomber dans un trou, bécasse. Putain. Grognasse de merde. JPP, hein. Je m'en doutais qu'on n'est pas censé passer par là, mais... Dans ce cas-là, faites les choses correctement. Bloquez carrément l'accès à la ruine ou je sais pas, mais... Je suis coincé. Madame est coincée. Oh, mais quel caca. Oh putain. Mais quel biatch. Quelle vulgarité. Bah en même temps, elle est nulle à chier. Hein. Regarde, je me suis coincé dans le coin, j'arrive même plus à bouger. Ah si, en m'accroupissant. Ah oui, partez. Ah oui, partez. Bah si tu pouvais sortir. My god, c'est Bugland. Oh. Go, remontez là, c'est juste devant toi. Je peux même pas attaquer, je peux rien faire. Je peux même plus changer d'item. Ok, là je suis décoincé. Je suis plus en zone interdite entre guillemets. Oh putain. JPP hein. Super le jeu, bah ouais. C'est pas la première fois que j'ai des bugs de merde comme ça hein. On va faire des zones avec des murs invisibles, mais on va pas tout fermer, comme ça les gens pourront quand même tomber dans des portions Oh putain. Parce que si voilà, si je reviens vers là, elle est coincée, je peux plus rien faire. Quelle idée d'aller là? Bah l'idée d'aller là, c'était de contourner pour pas avoir affronté le corrupteur et tous les veilleurs. Là, je voulais la jouer discrétion, pour une fois. Putain... Ah ouais, je sais pas où je reprends, oh là là. Si je reprends au début des ruines, j'essaie de passer en courant. Balesteak. Oh punaise, bon, on est au milieu. Non, on n'est pas au milieu, on est au début. Va te faire foutre, Aloy. Va te faire foutre. Cordialement. Putain. Ah, on va essayer de passer, hein, le balesteak. Hein. Putain, j'ai réussi à passer toute cette première zone discrètement et ils mettent même pas un point de contrôle. Une explosion. Putain, mais elles sont trop cheloues leurs armes là, je sais pas ce que c'est. Tu aurais dû faire un déplacement rapide, j'y ai pas pensé en effet. Ouais, puis c'est pas le moment de regarder le chat. Voilà, on revient là où il y a le corrupteur. Coucou, bonjour. Copain. Copain. Ça risque d'être compliqué. Oui. En effet. C'est pour ça que je me tire. Je m'en bats les steaks. Ouais. Ah, ils ont mis un truc à escalader pour que tu tombes comme un caca ou non, ça passe. My god. Bon bah on est passé. Bon, on va essayer de choper quand même. Tac. Bon bah tant pis pour le corrupteur là. En plus j'ai tué personne. Donc à quoi bon faire discret quand t'as juste à faire 3 roulades pour passer un camp entier? Ah là là. C'est pire là. Non. Tout va bien. Explosion. Regarde, on est passé, ils ont pas suivi. C'est parfait. Par contre, du coup, j'ai peut-être perdu un peu d'XP, je ne sais pas. Donc c'est ça qui fait péter depuis tout à l'heure, là. Un porte-mort, alors niveau 14.
C'est peut-être un sac à PV, mais qui va pas me two-shot. Un porte-mort de plus pour grossir nos rangs. Viens. C'est sûrement l'un des porte-morts dont m'a parlé Olin. Foudre et feu. J'arriverai jamais à cette tour. À moins que je détruise cette chose d'abord. Après, je peux lui faire tomber ses canons, j'imagine. C'est qu'il y a des humains, alors on va essayer un truc. Mon focus. Comment il s'avoue je suis. J'ai désactivé son focus. Ah. À toi de jouer maintenant. T'as désactivé quoi, gars? J'ai pas entendu. Et merde, il y a un truc à droite qui me charge. Il recrache de la vapeur. Je me demande si c'est son point faible. Si le jeu pouvait arrêter d'être merdique, dic. D'accord, il est déjà mid-life. What the fuck? Bah, à mon avis, c'est de la version faible. On en croisera une autre plus tard ou optionnellement. Il y a du genre qui va nous wrecked. D'accord. Je suis caché. Je ne suis pas caché. Bon, la flèche de choc, ça a pas l'air de bien marcher sur lui. Et je roule, roule. Et je roule. Ah, il est mort, d'accord. J'essaie de l'achever alors qu'il est déjà mort. GG. Du coup, monsieur. D'accord. Bon, j'ai un peu nettoyé les alentours, dirons-nous. C'est où qu'il craint le feu? Il est censé craindre le feu, mais je sais pas où exactement. Putain, mais ils nous mettent plein d'autres créatures. On a une nouvelle créature plus d'autres qui nous enquiquinent et qui parasitent. Du coup, on n'a même pas le temps d'analyser correctement. Là. Hop. Bon, monsieur. Bah, faiblesse feu, t'as pas l'air d'avoir pris des dégâts avec du feu. Hein. Je suis pas vraiment d'accord, mais bon. Mais what the fuck? Mais y'a rien qui prend des dégâts, wesh! Ah si, 308 quand même. Est-ce que ça craint le feu là-dedans? 10, ouais, ça craint le feu. On va essayer de le cramer alors. Ah non, par contre, il va être très long à embraser à 100%. Non, c'est pas grave, ça fait des petits dégâts. Non, s'il a caché son... Non, ça dépend comment je me place, en fait. Ok. Bonjour, monsieur. Avez-vous un problème? Parce que moi, j'ai une solution. Qui ne marche pas. Salut Spike. On me disait au canon quoi, au canon. Ah. Non mais ça s'est pas du tout passé comme prévu. Il cherche encore. Ouais, ouais, bah pendant qu'il cherche, je vais tout ramasser. Déchirure, maniement, déchirure. Une lentille, parfait. Alors, si tu pouvais mourir. Et arrêtez de te baisser au moment où je tire. STP, monsieur, STP. Merci. Bon, j'ai pas réussi à lui arracher ses canons. Pourquoi il en reste encore un? J'imagine que c'est possible si on tire au bon endroit ou si on spamme les flèches choc. Un marathon pour Ranger.
Spike. Oh my God. La série qui a 120 ans. D'accord. C'était pas un headshot, mais il est mort quand même. C'est bon. Ouais. Pas de tourpo. Bon, c'était pas très compliqué, c'est juste que j'ai merdé au début. J'avais un focus. Voyons ce qu'il y a dessus. Je pensais que j'allais pouvoir tuer quelques hommes à distance discrètement, mais non, ils m'ont grillé direct. Je suis la déception. Voyons ce que tu as à me dire. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? L'entité en vie. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'était quoi ce truc ? Hadès ? Entité en vue, en vie. C'est inacceptable, ouais, bizarre. Pas de réponse ? Et l'autre répond pas. Tout est de plus en plus bizarre. Je dois trouver un moyen d'entrer dans la tour. Alors le scénario devient peut-être un peu intéressant. Il était temps en effet peut-être que je me recentre sur le scénario. Et que j'arrête de farmer les plaines. Juste, bon. Je peux me faufiler. À go voir. Bonne nuit, Jimmy. Ok, Spike. J'ai bien compris l'idée. Une bonne ambiance avec des trolls sur les lives. Ça doit être intéressant à voir, j'imagine. Attention, identiscan. Encore un de ces trucs.